Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Phoenix Point. Donc la dernière fois on avait fini une mission qui était carrément difficile. On avait perdu un de nos soldats. Et donc du coup on avait ramené notre vaisseau ici, le Manticore 3, à la base. Voilà, donc pour soigner mes soldats, et on avait notre autre vaisseau qui lui se dirigeait par là en espérant avoir des trucs à porter ici pour pouvoir se déplacer par là-bas et partir sur le continent américain un petit peu, parce qu'on n'y est pas encore allé du tout sur le continent américain. Et à part en passant par là, je sais pas trop où on peut passer. Donc voilà, donc là on va enlever la pause. Voilà, je vais juste aller voir là où ils en sont. Ok, ils se soignent, ça avance bien. Voilà, lui il est arrivé là. Là on va explorer. Ah, loin du déluge. On nous signe que les Cinérians travaillent sur des moyens de repousser la brume. Ce n'est pas un péché en soi. Et nous ne condamnons pas cette action. La brume est-elle un déluge? Elle apporte à la fois la vie et la mort. Il cherche à protéger ses membres, tout comme nous. Okay. Mais si vous repoussez trop le déluge, la stagnation vous tuera. Le Cinérian a oublié comment voir au-delà du déluge et contempler la mer immense, le futur. Au lieu de cela, son regard est tourné vers l'intérieur et il se perd dans un labyrinthe de reflets. Ce qu'il offre n'est pas un salut mais un piège. Ok, donc les disciples d'Anu envers Cinérian, moins 15, très bien. On s'en fout. On s'en bat les couilles. Les Pandoriens ont commencé un raid. Où ça? Est-ce qu'il y a moyen de savoir? Parce que moi ça m'intéresse. C'est là, là? Ah ouais, c'est ici. Ok, mais je peux pas y aller. Peut-être qu'il va falloir que je prenne les bases, là, j'en sais rien. Est-ce que je peux... Bon. Ah oui, il faut que je construise une unité de confinement aussi. Là, j'ai un centre d'entraînement. Confinement. Ah, j'ai pas assez de ça, là, de matériaux. Zut. Bon. Très bien, tant pis. Ben, on va continuer. Donc, lui, il a rien trouvé de plus mieux. Bah, écoutez, on va continuer. Hein. Construction de centre d'entraînement, construction de base. Convertible de sumeray. Ok. Toi, tu vas explorer ça. Rite de confiance. Nos agents ont été invités à participer à un rite de confiance réalisé aujourd'hui au refuge Noadra. Ce rituel inclut des histoires et des énigmes visant à remettre dans son contexte la foi que les disciples ont en l'exalté. Il a pour but d'enseigner qu'il ne s'agit pas de suivre aveuglément quelqu'un tel que les faux prophètes du passé l'exigeaient, mais de lui faire confiance comme si c'était une amie, en sachant que son intention est bonne même si ses actions ne sont pas toujours comprises. Décliner poliment. Les disciples d'Anu, merci. Hein. Ouais, le problème c'est que je sais pas trop... je sais pas trop comment faire là du coup... pour aller là-bas. Parce que là je suis venu là. Je pouvais pas aller jusque là-bas. Là, je suis venu là. Ah, d'accord, je peux pas y aller, hein, là non plus. Donc, je vois pas trop comment je peux y aller maintenant là-bas. C'est un peu compliqué. Alors, eux, faudrait qu'ils se soignent. Je pense qu'on va s'entraîner, on va protéger de ce côté-ci, hein. Tant pis pour les États-Unis. Il y a beaucoup plus de trucs des disciples d'Anu que d'autres choses hein, sur Terre. Allez, on va aller là-bas, explorer. Alors, nos agents ont atterri au milieu d'un village abandonné, juste à côté d'une bibliothèque locale. Tous les bâtiments semblent désertes. Désert, technologie, matériaux 140. Très bien, ok. Donc là, on va pouvoir, dans notre base, peut-être pas celle parce qu'il y a déjà trop de bâtiments, mais celle-ci, construire ça. Pénurie de matériaux. Ah, vous avez peu de matériaux. C'est la ressource la plus utilisée. Voici quelques suggestions pour remédier. L'échange, ok, le vol, la récupération, le recyclage. Les récompenses.
Et vous obtiendrez plus de refus. Et récompenses, ok. Ah oui, parce que c'est vrai que je peux faire des missions aussi, diplomatie. Saboter un refuge de Cinerion, non. Saboter un refuge des disciples d'une production alimentaire. Je pourrais faire ça. Pour eux, hein. Parce que eux, ils m'aiment bien. Vraiment. Ah ouais, eux, ils s'aiment pas du tout entre tous, hein. Saboter. Vas-y, on pourrait faire ça. Ok. Toi, tu vas venir là. Ça s'en est où? C'est pas encore fini. Oh là, stop. Eh ben, pourquoi t'es pas venu là, toi? T'as déplacé. Ah, technologie bionique avancée. Nouveaux objets à fabriquer disponibles. Tête perturbatrice. Ah, augmentation bionique, immunité contre le saignement, résistance aux armes virales, au poison et à la paralysie. Vulnérable à l'acide. Ok. Précision plus 12. Bombe propulsée. C'est pas mal ça. Gros bras. Ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Recherche, je suis passé sur quoi? Ingénierie inversée, iconoclaste. Ah oui, c'est le fusil à pompe. J'avais pas les armes laser plutôt. J'ai déjà développé les armes laser. On est d'accord, je l'avais débloqué ce truc là. Ça, je m'en fous. Production des centres de recherche augmentée de 50%. C'est mal ça. On va me passer en priorité. Classe infiltrée. C'est une nouvelle classe, ça, mais c'est pas ça. Arme neurotoxine. Sentinelle juvénile. Alors, vivisection. Ah, ouais, donc là, faut que j'en capture. Ok, très bien. Blablabla. Lance-grenade, bouclier de combat. Medkit amélioré. Ça, ça pourrait être pas mal. Ok, donc ça c'est les armes qu'on a trouvées, qu'on peut faire de la ingénierie inversée. Ça je m'en fous. Capsule de sauvetage. Autopsie. Un jour à 14h, c'est trop long ce truc. C'est trop long. 13h, ça c'est pas mal. Génétique mutoïde, 5 jours, c'est un peu abusé quand même. On va juste tout passer en premier et on va faire ça. Permettre de neutraliser les cibles sans les éliminer. Ça pourrait être pas mal ça. Hein. Un jour par contre. Hein. Bon, on verra. On y met dans la file d'attente. Et on verra plus tard. Ok. Peut-être qu'il serait temps de récupérer une nouvelle base. Une autre base. Il n'y en a pas une par là, là. Deux. Il y en a une là. Ah mais j'ai pas assez de façon. Faut que je fasse des missions. Vas-y. Explorer. Augmentation disponible. La construction de votre laboratoire cybernétique est terminée. Vous pouvez maintenant augmenter les soldats en remplaçant une partie du corps par des membres cybernétiques puissants. Pour effectuer une augmentation, accéder au personnel, modifier l'unité puis augmenter. Ok, donc si par exemple je prends lui. Recrue, ah j'ai de nouvelles recrues, tiens. Bien préparé, homme fort. Spécialiste en autodéfense. Pistolet, précision. Des PDW. C'est quoi les PDW? Des armes lourdes,
Bonus plus 5, ouais, plus 2 en puissance, ouais. Ce serait pas mal de l'avoir là-bas, lui. Alors, personnel, donc si je le modifie, lui, par exemple. Augmenter. Alors, vous êtes sur le point d'effectuer votre première augmentation. Un personnage ne peut avoir que deux parties du corps remplacées de cette façon. Ok. Une fois augmentation installée, le soldat ne pourra pas récupérer les parties naturelles de son corps. Cependant, il est possible d'échanger les parties cybernétiques. Les parties du corps augmentées sont immunisées contre les saignements et résistent aux dégâts viraux, aux poisons et à la paralysie. Les dégâts cybernétiques peuvent être remplacés, peuvent être réparés après un combat en échange de technologies et de matériaux. Ok. Ok, donc déjà j'ai deux trucs différents. Hein. J'ai le... Alors, jambe, tête, torse, ok. Donc ça, ça fait quoi? Immunise contre la gelée. La gelée est un piège... Ne piège pas et limite pas le déplacement. Aucun dégât subi à l'atterrissage de n'importe quelle hauteur, ok. Bon. Ok, donc après, il y a les... Voilà, armure. Donc là, ça fait que 20, là, ça fait 40. Donc là, ça fait... donne plus d'armure. Clairement plus. Immunisé contre le contrôle mental, ça pourrait être pas mal. Surtout contre un mec qui genre avance bien. Enfin, de toute façon, j'ai pas assez. Il me faut beaucoup de matériaux et je n'en ai pas. Améliorer impossible dans une mutation. Eh oui, d'accord, lui il a une mutation. Ok, je suppose qu'on va avoir la même chose après aussi, ouais. Effectivement, pour les mutations. Ok, donc j'ai compris. Pour le moment, je peux pas le faire, donc on est d'accord. Les bases, géoscape. Allez, donc toi, tu vas continuer d'explorer ça. Alors, les anciennes coutumes. Alors, c'est qui lui? Un disciple d'Anu. Mes sources m'apprennent que la nouvelle Jericho a développé un nouveau type d'APC. J'espère qu'elle compte l'utiliser contre les Pandoriens et non contre ses congénères. Alors, mais la véritable question est la suivante. Comment gagner une guerre sans comprendre le champ de bataille? Tous les véhicules du monde entier ne sauraient vous aider si vous persistez à vous accrocher aux illusions de l'ancien monde. Je parle en connaissance de cause, je me souviens d'une guerre de l'ancien monde mieux que quiconque. Une victoire militaire est possible, Tobias West a un plan, l'humanité a besoin de toutes les technologies putain, le nouvel écho et le dernier frémissement d'un ordre en voie de disparition. Ouais, allez, vas-y. La nouvelle Jericho en projet Phoenix. Ok, à nous, il m'aime bien, il m'aime pas. Alors, avantage diplomatique. Ah voilà, technologie Ghost. Ça, c'est pas mal. Technologie de vaisseau. Ah! Transporteur de troisième génération. À 4 rotors en suspicion, champ de bataille. Blabla. Et les conditions d'offre actuelles. Recouvert d'une armure externe renforcée de matériaux anti-corrosion, il offre une bonne couverture contre les tirs ennemis comme les attaques organiques. Malgré son poids considérable et grâce à ses 4 moteurs, l'oiseau de foudre est capable de pointe de vitesse passant les... Ouais... Pour l'instant, l'oiseau de foudre peut transporter 7 personnes, mais il est possible d'améliorer sa capacité de transport. C'est cool, ça. Ça, c'est une recherche que je vais faire, hein, clairement. Alors, la pomme de la discorde. De discorde. Le vaisseau, le cadeau atterrit sur le champ, dans un champ couvert, ouvert à côté d'innombrables rangs de pommiers. Le bâtiment à proximité abandonné a le droit de négliger depuis un certain temps. Le premier test se permet de dire qu'elles ne sont pas aptes à la consommation humaine car elles ont été affectées par le pandorovirus. Elles paraissent normales en apparence, mais elles contiennent des organes internes qui ressemblent beaucoup à ceux d'un crabe. Ah ! Laissez les pommes et inspectez la zone. Informez les disciples d'Anu. Répugnant, brûlez cet endroit. Laissez les pommes et inspecter la zone. Vas-y. Matériaux vivres. Très bien. Très bien, très bien. Matériaux, il va m'en falloir. Si jamais je veux activer une nouvelle base. Alors attendez, là, hop, se déplacer. L'équipement anti-corps est détruit par le behemoth. Ok, explorer. Alors. Il y a Sentinelle, recherche sur un... Ouais, ok, production et centre de recherche, 50%, ça c'est bien. Ça c'est bien, parce que, voilà, les recherches elles vont être diminuées vachement.
vachement diminué. Donc lui, on peut l'envoyer ailleurs maintenant. On peut l'envoyer genre... Ah oui, eux ils avaient des bonhommes hyper avancés à recruter. Faudrait qu'on l'envoie genre là, lui ce serait bien. Alors, Simes et Présage. C'est au refuge Fort Artemis que vit le docteur Ramon P. Jacobi, leader du projet de taxonomie de la Nouvelle Jéricho. En plus d'être un scientifique de génie, le docteur Jacobi prétend également avoir inventé un terme, le terme pandorien, afin de décrire les créatures qui menacent notre monde. Avant cela, tout le monde les appelait des monstres, des mutants ou bien des extraterrestres, dit-il, mais ce serait passé à côté de l'essentiel, vous ne devriez pas continuer. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ce dont je voulais vous parler. En réalité, je souhaite vous faire une offre. Vous voyez, j'ai quelque chose en ma possession, un livre, mais pas n'importe lequel. Vous êtes, pour être plus précis, un carnet écrit par Adolphe Simes, l'un des fondateurs du projet Phoenix. Un grand homme en avance sur son temps, je parie qu'il vous serait extrêmement précieux. Je suis prêt à vous l'échanger. Vas-y, j'ai de la technologie d'avance. Recherche plus 100. Ok. Ça fait quoi ça, recherche plus 100? Je ne sais pas. Alors toi, tu vas te déplacer là-bas. Recherche terminée, ok. Très bien. Alors attendez, il est où mon autre vaisseau? Il est là, donc il continue de se déplacer. Ok, lui il est arrivé, explorer. Lui il est arrivé, on va explorer aussi. Hop, le refuge est attaqué. Lui il est attaqué, ouais mais avec ces troupes là ça va être chaud. Je veux dire, là j'ai que 4 soldats dans cet avion là. Faut peut-être que j'aille recruter genre un prêtre. J'ai 700 de nourriture je crois. 720 ça me coûte. Il fait quoi lui déjà? Un rédempteur fusil viral. 17, je sais pas trop ce que ça fait, ça, je sais pas ce que ça vaut comme. Est-ce que c'est un mec efficace ou pas? Il a des trucs qui ont l'air plutôt pas mal. Il a de l'armure. L'autre là c'est à peu près pareil, sauf que sa tête est un peu différente, mais c'est la même arme. Pareil, il a de l'armure un peu. Est-ce que j'enverrai pas plutôt mon autre équipe? On va voir, lui tu vas te diriger par là. Recherche terminée déjà. Ok. Toi tu vas te déplacer par là. Je peux pas? Je peux me déplacer. Alors, à part sur la saison, triton vaut rien. Ok. On a des trous, des nouveaux tritons. Ok. Et des nouveaux trucs dégueulasses. Ok. Ok, donc lui il est venu là. Lui il est venu là. Lui il est là, donc il peut explorer ça. Lui il est arrivé ici. Est-ce que je recrute celui-là pour 720? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Sachant qu'il sera déjà équipé, alors que je peux en recruter un de l'autre côté dans ma base, mais il sera pas équipé. Nouvelle classe, non. Pour le moment, non. Ardarin, il a que 20 points. Recherche, alors, technologie Gauss. Et ça, ça me plaît bien, moi. Ce truc, la technologie de résistance aux explosions. Ouais. Ok. C'est quoi là la recherche? L'iconoclaste. Fabrication. Sniper est pas mal. Armure Golem B, Mastodonte, ok. Je peux fabriquer quoi? Je peux que fabriquer des armures à moi? Ah non, je peux fabriquer celle-ci aussi.
20. 20 d'armure, celle-ci. Alors que celle de base, nous, 20 aussi. Ok. Véhicule. Ouais, j'ai pas ce qu'il faut de toute façon. D'ailleurs, lui, je dois pouvoir l'équiper maintenant. Comment je fais pour équiper ça? Atteignez une base Phoenix pour réparer, recharger, modifier les armes. Ok. Il faut qu'il soit dans une base. Si là, info sur la base. Non, c'est pas ça. Faut que j'aille dans personnel, recrue. Là, je pourrais recruter un mec. Ça, c'est pas mal. Ça, j'y ai pas pour le moment. Et ça, c'est tous pareil. Ok, unité d'assaut, mastodonte. Ah non, mastodonte, ça m'intéresse pas. C'était donc Zimoy qui est décédé dans la partie précédente. Dans la vidéo précédente. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, pour 300. On recrute celui-là. Sinon, pour 700, on recrute celui-ci, qui est déjà équipé du coup. Ah oui, parce qu'en plus, il va falloir que je produise des armures et tout. Alors que là, il est déjà équipé. Il a une arme que je connais pas, mais il est déjà équipé. Et il est prêtre, je sais pas, maîtrise des armes virales. Je sais pas ce que ça fait, les armes virales. Donc voilà. Je sais pas ce que c'est ce point d'interrogation là, on va peut-être y aller après. Il y en a un là aussi. C'est des quêtes peut-être. Il y en a un là aussi. On ira voir après. Arrêtez l'invasion ennemie, saboter le refuge des disciples d'Anu. Un refuge, n'importe lequel, ok. On va peut-être faire ça alors avec lui là. Y'a pas un truc des disciples d'Anu là pas loin là, genre là. Ok, je crois que je vais faire ça. Je vais recruter lui là. Pourquoi je peux pas? Ah, oh, punaise, il faut de la. Ah mince, donc je peux pas. Surtout que c'est un truc de la nouvelle Jéricho, donc je les aurais bien sauvés, eux. C'est quoi, on va finir ça. Toi, tu vas revenir là. Ok. Iconoclaste, c'est bon. Ah, ils ont repris le dessus. Ok, coupé du monde. Les habitants du refuge de Larsa sont terrorisés par nos agents. Leur matériel de communication à longue portée semble ne pas fonctionner correctement depuis quelques temps. Et ils ont développé une certaine paranoïa des individus qui ne sont pas de leur refuge. Les aider à réparer leur système de communication. Ouais, ça serait pas une mauvaise idée. La situation pire qu'ils avancent. Ok, les aider. Oh, 240 vivres, ça c'est très bien. Et les disciples d'Anu sont copains avec moi. Donc toi, tu vas venir ici. Se déplacer. Sauf si c'est trop tard, c'est trop tard. Dommage. Ça sert à rien ce que je fais. Donc tu vas venir ici plutôt. Ok, toi. Toi, alors déjà lui il a gagné un niveau. On va lui donner de la puissance. Et désactive une partie du corps, retire également son armure. Ah ça c'est bien. Ça c'est très bien, on va lui donner ça lui. Oui. Ok. Voilà. Pourquoi lui il a pas le sniper celui-là là. Putain, parce que ça coûte cher à fabriquer, bordel. Et qu'on va utiliser ce qu'on a. Par contre c'est pareil, si je vais dans les armures.
J'ai quoi? Ah, j'ai ça d'avance. J'ai des armures comme ça d'avance. Que je pourrais utiliser au pire. Ouais, on va faire ça. Donc, du coup. Parce que là, ça me manque un peu qu'il y en ait un de moins. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans. Il y a quoi dans fabrication? Il y a des nouvelles choses. Ah oui, il y a ça, iconoclaste, que je peux fabriquer maintenant. Dégâts 35. Alors que l'autre pompe, il fait 35 aussi. Capacité en munitions 48, portée effective 10, rafale 8. Rafale 10, donc il y a plus de balles. Il y a plus de capacité en munitions. Ouais, il est un peu mieux quand même. Hein. Il est un peu mieux. Il est un petit peu mieux. D'ailleurs, j'aimerais bien fabriquer un, ce serait pas mal. Hop. Recherche. Donc c'est presque fini, ok. Géoscape. Je sais pas comment je vais y aller moi, ces trucs-là, hein, vraiment. Parce que là, ma mission d'après, c'est d'aller là-bas. Hein. C'est d'aller là. Hein. J'ai rien compris. Peut-être que là, si j'active celui-là, en venant là. Là, je peux pas. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris, tant pis. Donc, là, on a dit armée de l'air. Non, personnel. D'ailleurs, armée de l'air aussi. Lui, on va lui équiper ça. On va lui mettre ça là et ça ici. Voilà, très bien. Comme ça, il est armé comme les autres. Ensuite, personnel recrue. On va prendre elle, qu'on va recruter tout de suite. Hop. Je suis en train de chercher mon petit papier où j'ai mis les noms de nos contributeurs pour donner un nom. Et je crois que je vais me gourer parce qu'il me semble. Alors, je vais la recruter celle-ci. Ok. Donc, ensuite, lui. Non, base, non, personnel. Manticore, voilà. Donc, Miranda Mertens, on va l'appeler. Alors attendez, faut que je vérifie un truc. C'est ça. Donc la prochaine, ce sera. Enfin, ou le prochain du coup, sera Malvin. Ou Malvin, je ne sais pas. Voilà. Hop. Donc on va le modifier. On va lui équiper ça, on va lui équiper ça, et on va lui équiper ça, parce qu'on a que ça. C'est quoi ça? Un Eraser. Ah oui, paralysant, c'est le truc pour paralyser les ennemis. Ça. Pour les capturer, ça, ce serait pas mal. On va le mettre ici. On va lui équiper un truc comme ça. Donc avec un chargeur là, là on va mettre un truc ici, et c'est pas mal ça, hein? Ouais, c'est pas mal, j'en ai 4 comme ça des fusils bulldog, très bien, les greffes, je sais pas ce que c'est, on verra plus tard, berserk, ok, donc Malvin est équipé, c'est parfait. Donc on va pouvoir avec lui retourner à explorer des points qu'on n'a pas encore explorés, genre ici, se déplacer, hop, explorer. J'ai fini de fabriquer un iconoclaste. Ah, j'aurais pu donner un iconoclaste d'ailleurs, du coup, plutôt qu'un bulldog, ça aurait été pas mal. Ça aurait pu être pas mal. Alors là, ça fait quoi là? Je sais pas du coup. Saboter un refuge des types d'ennemis. Bah donc là on va aller là. Avec eux on va aller là. Se déplacer. Je sais pas ce que ça fait, ce point d'interrogation. Une attaque contre tout.
tous. Nos agents ont repéré une explosion minière, une exploitation minière abandonnée. Les mineurs semblent avoir été tués par, non pas par des pandoriens, mais par des forces de sécurité bien humaines, probablement au cours de l'une des frappes majeures de la Troisième Guerre mondiale. Un certain nombre de bannières détaillant les exigences des mineurs flottent encore dans la brise. Les inscriptions blanchies par le soleil. Oh, 500 matériaux. Excellent. Excellent. Toi, tu vas venir ici. Est-ce qu'on n'irait pas à Madagascar? Si je déploie une nouvelle base, il faudrait qu'elle soit pas trop à côté de la mienne. Il faudrait plutôt qu'elle soit par ici. Là, il n'y en a pas une par là qui traîne là, de base. Là. Là, ce serait pas mal, là, non? Si j'active cette base. Activer la base. Phoenix Omega, allez, activé. Vous avez remis la base. Ok. Très bien. Toi, tu vas venir ici, se déplacer. Toi, t'es arrivé là. Donc, on va faire un faux refuge. Il faut que je sabote. Comment on fait? Incursion. Annulé. Saboter un refuge des disciples d'Anu. Cible production alimentaire. Ça doit être ça alors. Sabotage. Mission d'incursion. Sabotage. Changement d'attitude après victoire. Ah ouais, moins 24 quoi. Pouf. C'est qui eux? Moins 27. Plus 3, plus 18. Détruisez toutes les cibles structure play. Les renforts ennemis arriveront en continu depuis la zone qui porte ce symbole. Ok. Niveau de menace moyen. Ennemis, les disciples d'Anu. Y a pas un truc plus petit que celui-là, des fois? Parce que lui, c'est un centre avancé et tout. Peut-être que, genre, celle-là, elle sera moins... moins balèze, quoi. Population, puissance militaire, 17. Ouais, 21, c'est déjà mieux, là-bas. 24, quoi. 19, ou pas? 11. Ah bah tiens, ça c'est parfait. Se déplacer. Hop hop hop. Ça va trop vite des fois. Du coup, j'ai des recherches en cours, j'ai des trucs, mais j'ai pas de construction. Si j'ai des constructions. Il est où l'autre? Le cadeau. Non, lui. Lui il est là. Toi tu vas explorer ça. Et l'autre? Il est arrivé là. Info du refuge, incursion, sabotage, récompense. Ah oui, quand même. Commencer la mission. On va commencer la mission et puis... eh bien écoutez... La prochaine fois... J'en ai pas avec des fusils à pompe, si j'ai lui avec un fusil à pompe. Lui, on pourrait modifier l'unité. Et lui donner un iconoclaste à la place de ceci. Ça. On fabrique des munitions. Hop, et ça on l'enlève là. Parce qu'on n'a plus besoin. Voilà. Très bien. Ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien. Ah oui, j'ai lui à tester aussi du coup. Brodaf le bourrin. Très bien, et on va déployer les squads. Et ben je vais mettre fin à la vidéo puisque ça fait 30 minutes que je tourne. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et on verra ce combat la prochaine fois. Allez, salut à tous, ciao!